Marinette ? Oh, mais tu pleures ? Non, pas du tout. Ah. Je sens bien que tu ne m'aimes pas beaucoup, mais je ne comprends pas pourquoi. On se connaît à peine. Mademoiselle Lafrume voulait faire son intéressante. Ne me dis pas que c'est à cause du changement de place en classe. Mais si, bien sûr que si. Tu es jalouse parce que je suis assise à côté d'Adrien. Tu aurais tout donné pour te retrouver à ma place. Tu sais quoi? Ça ne vaut pas le coup de se fâcher pour un garçon. Soyons plutôt amis. Et pour Adrien, je pourrais te donner un petit coup de pouce. Qui sait? Toi et moi, on deviendra amis quand tu arrêteras de mentir, Lila. Oh, je ne peux pas le prouver, mais je sais que tu n'as pas d'acouphène, que ton poignet est intact et que tu ne connais pas le prince Ali car tu n'as jamais mis les pieds au Kowar. Et contrairement à ce que tu as convaincu Alia d'écrire sur le blog, Ladybug ne t'a jamais sauvé la vie. Oh, je leur dis simplement ce qu'ils veulent entendre. Et ça s'appelle mentir. Ce n'est pas comme si tu y pouvais quelque chose. Personne ne résiste quand on lui offre ce qu'il désire. Tu ne veux pas être mon ami? D'accord, mais bientôt tu n'auras plus aucun ami au collège. Et je ferai en sorte que tu restes très loin d'Adrien, que ce soit en classe ou ailleurs. Tu m'as l'air moins bête que les autres élèves, alors je vais te laisser une chance. Tu peux être avec moi ou bien contre moi. Je te laisse jusqu'à la fin des cours ce soir pour me donner ta réponse. Dire que je trouvais Chloé méchante, Lila est vraiment mille fois pire. C'est une super vilaine qui n'a pas besoin de costume. Tu ne dois pas la laisser t'atteindre, Marinette. Mais tu comprends pas, si j'arrive pas à la démasquer, elle va me gâcher la vie, Tiki. Elle montrera mes amis contre moi, et sûrement aussi Adrien. Oui, je la sens revenir, la colère contenue prête à éclore.